Allah. Nous remercions le tout puissant Allah. Nous remercions M. Barry Amadouri, fondateur de Safia École. Nous remercions son épouse, Mme Rudiatou Baldé. Nous remercions leurs enfants aussi. Nous remercions et félicitons et encourageons Safiatou Barry. Nous remercions toute personne ayant eu l'idée, l'effort pour pouvoir soutenir ce projet à ce qu'il soit réalisé dans le quartier de Bantouka. Nous prions Dieu que tout Conakry ait la même chance que Bantouka. Bantouka 1, 2. Nous remercions tous les jeunes qui ont été inscrits sur la liste de ceux qui doivent nettoyer. Et les femmes, nous, ce qu'on leur demande, comme ils sont inscrits, d'être courageux, dynamique et engagé. Ce pourquoi vous êtes engagé. Vous avez pris l'engagement devant Dieu et les hommes qu'on ferait, que vous accomplirez le travail de façon correcte et honnête. De prendre courage. Nous vous demandons aussi aux parents de dire à nos épouses ce que chacune a sali. Ce que chacune a sali. De ne pas que cela soit nuisible pour une autre personne. De ne pas que les gens prennent ce qui est déjà en état de putréfaction. Pour aller jeter ça dans les rues, ça va gêner les gens. Celui qui aura fait cela, il sera, la colère de Dieu va être répandue sur lui. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu encore une fois. Que chacun apprend de son côté à respecter les lois et les principes. La Guinée. Si les lois ne sont pas respectées, si on ne dit pas les vérités, nous n'allons jamais nous séparer de la misère, de la pauvreté, de tout ce cortège de mal qui assaille aujourd'hui la Guinée. Que Dieu chasse tous les mensonges dans ce pays. Que Dieu fasse en sorte qu'on soit des hommes honnêtes, consciencieux. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons des hommes altruistes, humains. Que Dieu bénisse le couple Barry. Je veux nommer M. Barry Amadouri et son épouse et leurs enfants. Que Dieu fasse en sorte que leur avoir augmente. Que Dieu fasse en sorte qu'il bénisse Safia École. Que Dieu bénisse tous les enfants qui étudient à Safia École. Que Dieu c'est la parole de papa. Merci. Donc le lancement est déjà ouvert par notre papa Elhadj Mama Saliou, doyen du quartier. Allez, hey, quittez là, allez-y, travaillez, on va faire notre boulot. Ah non. Maintenant, c'est bon.
Ça fait déjà maintenant 3 ans de suite que je viens en Guinée et je vois l'état des lieux et je trouve que franchement ça a besoin de beaucoup d'amélioration. Donc je me suis dit, emmener un projet humanitaire en Guinée, pourquoi pas un projet d'assainissement, puisque le projet est déjà mis en place, mais ce n'est pas tout le monde qui participe. Donc moi-même, je me suis dit, il faudrait que moi, de mon côté, j'arrive à mobiliser beaucoup de gens qui sont d'ailleurs venus aujourd'hui, je les remercie, pour venir nous aider à nettoyer, assainir les lieux et espérons-le que les lieux restent propres pour pouvoir le travail que nous faisons. Au-delà de ces activités, est-ce que vous avez d'autres activités pour la cité qu'on a fait? Oui, en fait, moi, mon départ, c'est le 13 janvier. Donc avant cela, je dois mettre en place 2 forages ici même dans le quartier. Donc c'est l'autre projet qui m'attend tout de suite après ces vidéos. Qu'est-ce qui a motivé le choix du quartier de Kosa? En fait, déjà le fait que l'école, Safi École, soit établie, j'ai toujours leur support, j'ai toujours leur aide, l'aide de la communauté. Ils sont présents à chacun de mes événements. Ils m'encouragent, ils m'écrivent depuis le Canada. Donc en fait, je me suis dit, si je commence à redonner à des gens, j'aimerais commencer par le quartier Kosa pour ensuite Bantunka, pour ensuite m'épandre ailleurs à Conakry. En fait, Miss Afrique Canada, normalement c'est un concours de beauté, mais pas seulement de beauté. Chaque année, on organise. Et le truc, c'est que chaque fille décide et met les projets sous table. Donc pour nous, c'est d'encourager les projets et tout. Donc, on a décidé de venir en Afrique et on a choisi deux pays, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, en Côte d'Ivoire, on a fait des dons sur place et tout. Et la Guinée, Safia a décidé, c'est elle qui a décidé si le projet qu'elle voulait organiser. Donc, on n'avait pas le choix. Est-ce qu'il arrive au comité Miss Afrique au Canada d'accompagner ces candidats, disons, dans toutes ces activités de ce genre? Ou bien il y a, il y a des choix que vous faites par endroit pour sélectionner les projets qui peuvent être accompagnés dans ce cas? Pas vraiment. Nous, on peut décider des projets. Maintenant, c'est à les filles de les modifier comme elles veulent. Chaque fille a le droit aussi de mettre les projets sur table. Comme cette année, c'est vraiment les filles même qui ont mis les projets sur table. Nous les donnons le choix de décider ce qui les intéresse, ce qui les tient vraiment à cœur. Et chaque fille a décidé. Il y a 3 Miss. La Miss, première dauphine et la deuxième dauphine. So, la Miss, elle a décidé ce qu'elle voulait. Safia, qui est la première dauphine aussi, a décidé ce qu'elle voulait. Et la deuxième Miss ne pouvait pas vraiment se rendre. Donc du coup, elle est partie avec l'idée des 2 premiers. Lala, vous l'accompagnez en tant que Miss Guinée au Canada ou bien Miss Guinée Afrique? Non, on l'accompagne en tant que Miss Afrique Canada. Donc actuellement, c'est elle qui représente la Miss Afrique Canada qui n'a pas pu se rendre là de la première fois. Donc du coup, c'est elle qui représente les deux. C'est bon? D'accord. Comment est-ce que vous n'ayez un dernier mot peut-être? Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Si un mot à ajouter, ça serait que donc on va faire de notre mieux chaque année, c'est pas ça, ça serait pas le dernier. Que ce soit plus que à chaque année on organise le concours. Donc à chaque année qu'il aura l'opportunité de venir dans n'importe quel pays d'Afrique, si la Guinée est encore l'année prochaine, il n'y a pas de problème, on se représente. Je vous promets que la Guinée sera là. Il n'y a pas de soucis. Ouais, ça c'est clair. Les sages des Bantunka, hein, et tous les citoyens, l'enfant et les femmes. Nous sommes tous très contents aujourd'hui d'avoir cette cérémonie comme ça. Ce qui commence, c'est nous ici. Parce que même si on a eu ça quelque part, c'est nous qu'il a été premier grâce à Safia Toubari, grâce à son père, monsieur Amadou Libari, à Safia Etas. Depuis qu'ils sont restés ici, vraiment nous sommes très contents. Depuis qu'il a commencé ici, c'est comme ça qu'il est. Il augmente, ce n'est pas la première fois. Vraiment, je vous remercie beaucoup, je remercie tout le monde qui s'est rencontré ici. Je remercie
Alpha Amadou Barry et Amadou Ouri Barry. Je remercie M. Amadou Ouri Barry et sa famille et tous les musulmans qui sont là et tous les musulmans dans la Guinée. Vraiment, je vous remercie. Est-ce que vous avez une dernière chose à demander? Est-ce que vous avez d'autres doléances? Est-ce que vous avez des doléances par rapport à votre quartier? Oui, parce qu'il a commencé, comme il a commencé, on a l'espoir qu'il va augmenter encore. Tous nous sommes derrière lui, tout ce qu'il a dit, vraiment nous sommes d'accord, nous sommes entièrement d'accord derrière lui, parce que c'est pour nous aider. Il n'a rien de mal avec nous. Tout ce qu'il a de bon cœur pour nous. Vraiment nous sommes très contents à lui. Je suis très heureux, très content. Cette initiative soit portée par cette demoiselle qui vient du Canada, un peu pour ça, pas seulement pour ça, elle a sa famille ici, elle vient voir sa famille, mais aussi qu'elle soit porteuse d'un tel projet et nettoyer, nous aider à nettoyer nos quartiers. Vous savez très bien qu'est-ce que ça représente. Donc cela, ensuite, offrir un ou deux forages, c'est aussi quelque chose. Donc nous saluons l'initiative, nous l'encourageons. Nous souhaitons que beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur étudient, apprennent, c'est sûr, mais qu'ils viennent, qu'ils apportent certaines choses comme cette initiative et qu'ils nous aident dans le processus de développement que nous engageons à Ratoma. Je me rappelle bien votre élection à la mairie de Matoto, de Ratoma. Merci à la mairie de Ratoma. À la mairie de Ratoma. Non, nous ne sommes pas en politique, monsieur le maire. Merci. Moi, je suis politicien. À la mairie de Ratoma, je me rappelle bien vos discours. Vous avez fait mention quand même de l'assainissement. Je crois que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. C'est une priorité. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises aujourd'hui au sein de la mairie de Ratoma pour accompagner de telles initiatives? Vous attendrez que je sois installé. Je suis un maire élu et qui n'a pas de problème. Je suis sortant et je suis sorti depuis un an. Donc depuis un an, c'est géré par quelqu'un d'autre. Et là, il faut que je sois... C'est votre secrétaire général qui gère quand même. C'est la secrétaire générale. C'est la secrétaire générale qui gère. Il faut que je rentre, que je m'asseye. Et nous avons des réflexions. On va vous les livrer. On va vous les livrer, ne vous pressez pas. On le fera. D'abord, merci à la population de Ratoma, notamment M. le maire de Ratoma, qui a la participation et l'accompagnement de la formation de notre ministre de l'Éducation, Safia, qui est une école ici, dans le 4 de Bogan. Je voudrais très sincèrement la féliciter pour d'abord avoir relevé le de la mobilisation et celui de la participation. On voit beaucoup de gens mobilisés aujourd'hui l'occasion de cette journée citoyenne, l'assainissement de la ville. C'est la première fois que dans la commune de Ratoma, en tout cas très présent, que je vois un tel effet appréciable. Chacun de nous donne un peu de soi et de son temps pour participer à l'assainissement d'un espace public. Et l'accompagnement du maire est déterminant, des élus locaux est déterminant, et l'accompagnement des sages aussi de la zone. Donc je tiens d'abord à féliciter en boîtier dans l'initiative en tout cas prise par le gouvernement guinéen pour faire chaque dernier samedi un samedi d'assainissement, un samedi citoyen, pour que chacun de nous puisse participer à l'assainissement de l'eau. C'est à l'honneur de tous quand la ville est pleine. C'est à notre déshonneur à tous quand on veut que la ville soit pas forcément le gouvernement sur les autres. Mais c'est le gouvernement, c'est le pays de la population. Donc si qu'on a des problèmes, c'est une discussion qui peut bénéficier de ça. Et c'est la population qui vit dans un environnement plus sain. Donc je voudrais encore une fois féliciter cette initiative personnelle de Madame la Ministre, mais surtout d'avoir mobilisé tout ce que vous pour faire de l'œuvre. Surtout ce travail qui consiste à créer des territoires et aussi à désensabler certains endroits où il y avait le chemin de fer et la participation un peu plus jeune à cette initiative. La féliciter et l'encourager.
je ne sois pas perçu une fois, que chaque fois que l'on assiste, chaque fois qu'il est présent en Guinée, qu'il puisse mobiliser encore davantage nos citoyens à participer à ces événements. Alors, ministre des Travaux publics, nous savons qu'il faut toujours concerné par cette histoire de cette mission, parce que quel est le but en fait? Alors, comme vous savez, la question de salubrité publique, c'est une question qui doit concerner tout le monde. Moi, mon rôle aujourd'hui, la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État, M. Fakonde, et le chef de gouvernement de Kabinsoufana, c'est de faire en sorte que le monde soit sécurisé, que les gens puissent ne soient pas envahis, non seulement par les ordures, mais par les individus qui s'installent sur ces lieux. Donc, à cela, c'est faire en sorte que le village de Calédo soit systématique, faire en sorte que les gens n'en restent pas la route, mais aussi le premier programme, le nouveau programme que nous avons lancé, le programme de réflexion et d'aménagement de la voirie de Calédo, de cet aménagement à ce programme, enfin, de ce programme que nous avons Nae Guinée Matin, Sivera Guinée Matin, oui. Tiens-toi.